Mardi 18 juillet 2023, c'est un plaisir pour nous rentrer la caillou encore une fois avec numéro spécial et c'est là côté de Ronaldo, Cristiano et Michel qui font déclaration tête chargée. Michel qui parle pour toute la journée, nous voilà et déclaration de ça. Yon lot et bon et dossier Coupe du Monde, et bien, jouji moins deux côté Coupe du Monde, lui-même, libéral et deux marées côté mesdames. Haïti et Bral et en bataille. Nous allons essayer et garder et Franzi Piero et Jodian qui y butait avec équipe et Maccabi et Haïfa Nambel et victoire et si là. Vraiment nous allons en pile info et mention et gagner Rodi Alba lui-même qui a déposé Valézi en deux équipes Inter et de Miami. C'est tout ça qui va le faire et deuxième sortie nous pousser maintenant vraiment arrêter là un peu de pause et pas de côté la peine tout ça. Voilà, nous saluons tous ces abonnés nous vraiment moi remercie nous et parce que nous toujours supporter et travailler là ou même capsule nous pour la première fois qui peut vous abonner là mando tant pris abonner avec qui média inter capable rester et connecter ensemble avec nous vraiment n'a démarré avec information yo et côté Coupe du Monde là qui va le faire et 20 juillet qui va le venir là tout décor yo est vraiment et bien planté nous connaît Haïti les mêmes là pour rentrer et dans bataille et samedi 22 mais coupe du monde mesdames a commencé et jeudi qui a venir là l'équipe et Nouvelle-Zélande pral ouvrir ballan avec équipe et Norvège là match ça a joué avec 3 heures et dans matin vraiment match va jouer et grand bonheur pour moun qui veulent suivre sélection et national là c'est pral à 5h et demi, premier match là, face Angleterre. Deuxième match, on croit, c'est face et la Chine. C'est pas assez de demain matin. Et troisième match là, c'est pas assez de face équipe et Danemark là. C'est concernant un dossier et Coupe du Monde lui-même, là, privé, sous nous là. C'est et la fièvre du côté des Haïtiens qui a chauffé et mesdames nous pour et exploit ça puis au fait à nous espérer dans Coupe du Monde là le Brésil fait plus et bagaille parce que il gain un talent vraiment et tout et du coup même milieu de gens très belle et bien et disponible aujourd'hui dans match nous capable dire qui t'a joué et j'espère que c'est match Ligue des Champions barrage côté équipe et Maccabi et fait un coup de victoire 2-1 et gagné international haïtien n'a parlé de Franzi Piero et Michel Cabral et Maki et deuxième et Green Golan pour équipe et Maccabi Haïfa face équipe et Spartans FC match a fini 2-1 c'est match retour round 1 en question et qualification pour et la Ligue et des Champions et saison 2023 et 2024 et vraiment n'a enchaîné à l'échelle internationale c'est Cristiano Ronaldo et vraiment monsieur Alam qui font gros déclaration dans micro la presse et les faits qu'on est auparavant l'Elta Tabral est venu jouer en dans et championnat Arabie et Saoudite non yo te prend ça mal yo te mal gel mais jodi an et bien li ouvri porte pour un paquet l'autre joueur est venu évoluer en dans et championnat ainsi là avec déclaration ça nous capable et dit oui ça monsieur a dit en li semble ça parce que actuellement là un paquet jeune joueur et qui gagne puis baqué et 27 à 28 ans qui a évolué en dans championnat ça gagne Karim Benzema et nous capable dire qu'il est capable de jouer et pour petit en saison en équipe Real là qui a joué en dans et championnat ça pourquoi pas et Kanté et jeune garçon on paquet l'autre joueur comme Marcelo Brozovic bon là je commence à monter pour Marcelo mais et, il fait des déclarations ça mais je vais continuer pour le parler il fait qu'on est eh bien l'El Tabral joué dans et série A et des petits parler en pile eh bien et depuis elle entrée dans série A les changer et donner ça veut dire et Cristiano Ronaldo et fait qu'on est depuis il paraît yon côté tout bagage changé est-ce que déclaration ça compte série A
c'est une déclaration pour Cristiano et démolir encore ABC et championnat ça nous connaît et le grand Milan ou encore Inter de Milan ça a fait dans année 2000 pour 2007 et bien dans championnat ça Cristiano qui fait deux déclarations là n'a et continuer garder et l'autre information mais cette fois-ci c'est question et bien et prolongation gagné et Marcus Rashford et qui signe un nouveau contrat de prolongation avec équipe Manchester United là juste et quand 2028 et bien et monsieur là qui pral n'est capable dit qu'a été en deux équipes ça et bien pour cette année et bien ça va le faire de 2028 à on va dire 2022 et 2022 et bien monsieur là est parti pour cette année en dans équipe et Manchester United là et gagné et joué est un coup Rodi Alba jodian vraiment monsieur là qui paraffé un contrat avec équipe Inter de Miami. À noter monsieur Allegri jouer et des jouer comme Lionel Andrés Messi Cuccini et pourquoi pas et nous capable dit Sergio et Busquets avec des trois joueurs et Barcelone à les rencontrer en tant équipe Inter et de Miami. Nous connaît équipe ça qui gagne en tête li et David et Beckham comme et président. N'a toujours été dans dossier à l'échelle internationale vraiment grand tableau de transfert et qui capable officialiser bon en deux équipes ça Yuta 24 ans Ruben Neves sur toute mesure déjà en dans et championnat Arabie Saoudite dans ça veut dire Ronaldo et bien raison capable dire mon qui plus grand parmi et tout non ça yo bien et c'est Karim Benzema qui gagne 35 années Kanté et Koulibaly joueur gagne 32 ans Firmino Mendy et bien et 31 années et Brozovic et 30 ans Milinkovic Savic 28 ans et même genre avec Seko et Fofana et Ruben Neves ak Yuta Yushak gagne 26 ak 24 années c'est ensemble deux jeunes joueurs ça yo qui y pral évoluer en temps et championnat si là vraiment en essayer et garder yon programme pour tournoi nous capable dit US qui a fait aux États-Unis gagne équipe FC et Barcelone qui a affronté équipe Juventus et de Turin Barcelone a joué avec Arsenal et Barcelone gagne pour jouer avec Real de Madrid FC Barcelone a joué avec équipe AC et Milan n'a pas continué et garder dossier et transfert et gagné annonce des signatures de nous capable dit Oriol Romeo et monsieur là qui s'est joué équipe FC et Barcelona et bien est capable et gagné une annonce de départ et Pablo Touré et bien et pour est capable à jouer en deux équipes et Girona. L'autre information, on a gardé quelques matchs amicaux et gagné l'équipe et Bayern et Dominique Lan. Vraiment, Joudian qui fait une promenade de santé. Vraiment, j'aime bien le temps de 27 à 0 contre l'équipe Rotachlan. Bien un match amical ça. Et Moussiala est abri à marquer 5 goals et Nabri marqué 3 goals. Et bien, David et marqué un grand goal et Lime et marqué un grand goal et bien un paquet de joueurs et qui il marqué c'est la prince cité comme Sabitzer qui il marqué et 5 goals Guerrero et marqué et Gravenberg et marqué Coman et Mané c'est ensemble deux joueurs ça yo qui mettaient ensemble yo craser équipe Euro et Tachlan et 27 à 0 dans match jeudi match amical s'il vous plaît gagné un Arsenal qui l'a fi et bien là et monsieur a qui était parlé jeudi à l'entraînement avec Joelio et qui ça le dit s'il vous plaît lui dit et vous ne manquez de rien lui dit nous pas manquer en rien jouer mieux nous pas aucune excuse pour y parler ici faut que nous travaille du moins et veut prendre plaisir quand moins ouais équipe moyen ça c'est une déclaration du président équipe et Paris Saint-Germain n'a toujours été une équipe et Paris Saint-Germain gagné et bien
Eh bien, et président, et pas président, excusez, gagné, et coach, équipe Paris, hein, qui est déclaré, lui, et souhaité, ou encore envie, prendre tout trophée, sous, et saison 2023, 2024, là, et Nathan, Tiloulou, et Enrique, et vraiment, et m'a regardé dans l'autre tableau, n'allez, et galère, équipe, rotation, c'est pas la première fois, mais qui baille Nap Malmenel, 2018, lui prend un 20 à 2, et 2019, il prend 23 à 0. Et 2023, il prend 27 à 0. 3 matchs, 70 goals. Il marque 2 green goals. Ça, c'est histoire équipe Rotache contre équipe. Et nous, capable de dire, et entre équipe et Bayern et Dominique. Là, vraiment, pour finir, il y a équipe Al-Ittihad qui est sorti. Nouveau et Mayoli et pourquoi pas équipe Arsenal là les mêmes qui intéressé et pour ta faire venir jouer équipe Ajax on a parlé de et Mohamed et Koudous et bien pour 40 millions d'euros.